J'ai pas un châssis. Ah non. Oui, je vous portais de fou. C'est un enfer. Pitié. Yop tout le monde, c'est drôle, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 23 et aujourd'hui on va tester un challenge, on va essayer de se faire un petit peu les bibis parce qu'il n'y a pas grand chose et on va se muscler avec le volant. Qui n'a dit que le sim racing n'était pas un sport? Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais mettre le force feedback au maximum sur F1 23 à 150% et on va essayer de tenir, je dis bien essayer de tenir cette F1 dans les rues de Monaco Koundézia à 0%. Dit comme ça, ça peut paraître bête mais vous allez voir dès les premiers virages que c'est très difficile à mon avis de réussir à contourner les IA. Si la vidéo vous plaît, bien évidemment, n'hésitez pas comme d'hab, un petit pouce bleu, ça se soutient. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à nous donner des idées, nous dire ce que vous en avez pensé de ce challenge. Bien évidemment, qui dit Monaco dit Esteban Ocon, le dernier français à être monté sur le podium à Monaco. On va donc mettre les IA en 0%, mais ça va être des chicanes mobiles. Je sais pas comment on va faire pour éviter les IA à 0%. Et bien évidemment, qui dit Monaco dit dégâts en simulation. Bien sûr, les dégâts sont en simulation, donc il va falloir faire gaffe à notre petite moustache et à nos ailerons, sinon ça va être compliqué. C'est que là vraiment on va partir sur un challenge où je vais passer pour un clown. Je vais être là en train de secouer mon volant dans ma chambre, mes parents vont regretter de m'avoir mis au monde, je te jure, là ça va être ridicule. On se retrouve du coup en dernière position à Monaco. L'objectif du coup va être de finir ces 3 tours en partant dernier et surtout en évitant tous les accidents. Alors là vous voyez, tout bouge, enfin le volant réagit normalement, pas de souci, mais dès qu'on va commencer. C'est pour ça que j'ai peut-être oublié de calibrer l'embrayage. Bon, j'ai reparamétré du coup mes touches, c'est tout bon. Et comme vous pouvez le voir, du coup, donc j'ai mis le retour de force à 150. Bien évidemment, faites attention si vous avez un volant, c'est pas l'idéal. Faut surtout pas rouler avec ça. C'est pas parce que vous êtes à 100% que c'est plus réaliste. Non, non, c'est excessif en termes de retour de force. Donc vraiment, réglez correctement votre volant et ne faites pas ce que je vais faire, sauf si c'est pour rigoler quelques minutes. Ok, on repart du coup à Monaco. Et cette fois-ci, si je prends le clutch. J'ai toujours pas le clutch, je vais tout casser. Oh là, c'est bon. Oh, j'ai 150. Ok, c'est bon. Oh, 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 oh. Ah, c'est impossible de tourner. C'est... Ça commence. Non, oui, ok, c'est bon. On va pouvoir commencer. C'est le challenge. Oh, ok, c'est bon, ça fonctionne. Oh. Bon, bon. Ok, ça fonctionne, ça fonctionne. Ok, après quelques réglages, ça fonctionne enfin. Le volant est réglé. La course est lancée. Les boutons sont paramétrés. Et c'est parti. Oh non. Alors, faut savoir que je joue sur bureau. J'ai pas un châssis. Ah non! Si je casse la voiture, je recommence. Mais tourne! Allez, go, go! Ah! C'est un enfer! Oui, je faut forcer de fou! Non! Ah! Aïe, aïe, non! Ah! Oh, ok, ne faites pas ça chez vous. Non, va falloir que je fasse gaffe en plus parce que le volant, à un moment. Mais c'est sûr, le volant va me tomber sur les genoux. Bien évidemment, l'objectif, c'est de remonter le plus haut possible. Hein. On a 3 tours, ils sont en 0%. On doit les battre. Facilement. Ok. J'ai l'air d'un clown. J'ai l'air d'un clown. Pitié. Oui. Oh, le tri-white. Ok. Allez, tutut. Oh. Non, mais... Tutut. Ok, troisième tentative. Non, en vrai, avec un peu de patience, ça peut se faire, mais il faut vraiment faire attention parce que je ne peux pas corriger la voiture si je spin ou quoi. On regarde le départ. On regarde le départ de Roi. Non, mais pitié! Frère, j'avais fait un départ incroyable. Imaginez, je casse mon volant avec ce défi. Oh oui, oui, regardez-moi ce départ de Roi. Okay. Dites-vous que je suis avec un CSL, c'est-à-dire que si j'avais un direct drive, de chez Fanatec, si j'avais un direct drive de chez Fanatec, ce serait encore plus dur. En fait, je pense qu'il faut prendre de la vitesse. Prendre de la vitesse, comme dirait Seb Lafrite. Non, 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 maman. On a peut-être un tour dans la pocket. Ok. Ok, on a un tour dans la besace. Ok, P14. Ah. Non. Non. Ok, ok. En fait, je pense, j'ai peut-être trouvé la technique. Ah, oh, ça fait mal. Eh, hey, c'est dur. Eh, hey, je
c'est dur en vrai. Hein. Putain, c'est pas facile. J'ai peut-être trouvé la technique. En fait, il faut prendre de la vitesse. Plus on est rapide, je crois, moins le volant met des à-coups. Allez, cinquième tentative. Oui, oui, le bon dé... Ok, Oh, mon front wing. Oui. Non, J'ai pas touché. Non, frère. En même temps, les dégâts en simulation, quelle idée. Je suis rapide, je peux le faire. Non. Stop. Arrête. Me cassez pas les ronds, j'ai jamais été aussi bien. Aïe. Mon poignet, je suis Ricardo. Oh pitié, me cassez pas. Non mais t'es une merde. T'es une merde, Albon. J'ai jamais vu un mec comme toi. J'avais fait un start de fou furieux. En fait, faut pas prendre de risques. Les IA, ils savent pas gérer les côte à côte à Monaco. C'est impossible. Oh, c'est... Impossible. Si je fais un travers, c'est impossible de la rattraper. Je te dis, elle va être très longue cette vidéo. Elle va être très très longue, hein. Vraiment. Avant que j'arrive à faire ne serait-ce qu'un tour complet sans me crash, ça va être long, moi je te le dis. Hein. Oui. Non. C'est le départ de ma vie. C'est non. Sale fils de p***, va te faire. Sale grosse baisse. Pourquoi tu démarres pas? Pourquoi tu bouges pas quand je fais le départ de fou? Non, désolé, veuillez implorer mon pardon, pitié, mais quand même. Non, c'est trop. Pourquoi? Mais c'est donc ça mon métier? Que penseraient mes parents de moi? Oh, tout à l'heure, c'est là où je me suis crash. Ok. Non. Pérez. Sérieusement? Vas-y, on y était. Non, là, franchement, on y était facile. On est bon. Non. Eh, c'est trop les dégâts sur ce jeu. Non, mais non. Non, mais sale. Mais à quoi tu joues? Je sais même plus, on en est à combien là? Je pense qu'on en est à quoi? On en est à 12? Non! Oh bah, Triwide, allez, peindre! Oh bah oui, non, bah, Triwide, j'ai pas été. Oh, bah, j'ai pas été fut-fut. Non, là, j'avoue que j'ai pas été fut-fut. Hein. Oh, c'est bon, cette fois, c'est la bonne. On en finit avec cette vidéo. On est Triwide. Alors là. On en finit avec cette vidéo. Oh oui, c'est mignon ça. Je suis en train de réussir. Hein. Oh, il est pas loin avec sa Mercedes, il est pas loin, on peut le faire. Faut que je passe ici. Oh oui, trop. Oh, dernier tour. Dernier tour, j'ai réussi. Oh, ça va, calme-toi. Oh, pitié. Frère, j'ai plus le volant sur le bureau. On gagnera pas la course, hein. Au moins faire podium. Oui. Mais tiens plus sur le bureau, pitié. C'est bon, cette fois c'est la bonne. Je suis en train de réussir, hein. On en finit avec cette vidéo, on en finit. Ouais, c'est trop fin. Là, c'est trop fin. Ok, here we go. Frère, non. À un moment, faut aller se faire bip. Oui. Yes. Putain, défi de merde! Putain, en plus ça fait mal! Oui. Oh. Boum! Pitié, mettez un pouce bleu, pitié, abonnez-vous, je vous en supplie, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche, je vous en supplie, mettez un commentaire, dites-moi s'il vous plaît que vous avez rigolé, dites-moi que vous avez passé un bon moment, que la vidéo vous a fait du bien, je vous en supplie, c'est la bonne. Ok, non, c'est Albon là, par contre, c'est pas la bonne. Eh, t'as capté le jeu de mots? Va te faire foutre, Albon. Va te faire foutre. On est là, on tente des trages, on tente à gauche, on tente à droite, on essaye de pas doubler, on essaye d'attendre. On fait un XT, on fait pas l'XT. Il y a toujours un IA qui est mal placé. Il y a toujours un mec au mauvais endroit, au mauvais moment, pour nous poser problème.
Là, je vais venir à gauche. Ils vont me tourner dessus. Là, je vais réaccélérer. Alpine, il va bloquer. On me touche la roue arrière. J'ai jamais donné mon consentement pour qu'on me touche la roue arrière. Me touchez pas. Là, je vais faire à l'extérieur. Il y en a un qui va me tourner dessus. Je vais arriver à l'épingle. Il y en a un qui va me tourner dessus encore. Oh. Ah, je suis dixième. Ça part beaucoup trop bien pour que ça aille au bout. Je suis P10. Je suis P10. P9. Oh là, oh le volant, je le tiens bien là. Oh franchement, le volant, on est en full maîtrise. On est en full maîtrise, même si ça bouge. Oh là, P4. Alors peut-être. Oh là, mon volant, il est bien là. Sur ce run, j'ai pas trop de secousses. Sauf quand je suis en ligne droite, mais... Alors là, je ne parle plus, hein. Alors là... Pitié, stop. Oui. Yes. We did it. Yes. 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 Ça va peut-être pris une heure, plus d'une heure, mais on a réussi. Yes, boys. Encore un challenge remporté sur cette chaîne YouTube. J'espère que ça va mettre un pouce bleu maintenant. Qui c'est le papa? Ah, bordel. J'ai les mains rouges. Ah, je sais pas si ça se voit. Ah si, ça se voit. Le choix n'est pas facile, mais je dirais Esteban Ocon. Il a géré ses gommes à la perfection aujourd'hui. Et bien encore un week-end. C'est moi, wesh. C'est probablement le challenge qui m'a pris le plus de temps depuis la sortie d'F1-23, mais au moins on l'a réussi. Si vous voulez le tester, faites-le. Comme j'ai dit, faites attention parce que quand on monte un volant au-dessus normalement des performances recommandées, ça peut être un petit peu dangereux pour les doigts. Donc vraiment, je conseille pas de le faire à la maison, d'accord? Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Challenge réussi, hâte de lire vos commentaires. Merci à tous d'avoir regardé. Comme d'habitude, petit pouce bleu, ça nous fait du bien, ça soutient énormément. Abonnez-vous si c'est pas encore le cas. Il y aura d'autres challenges qui vont arriver sur la chaîne dans les prochaines semaines. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez tous une très bonne journée. Faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.